Ça fait bizarre. Bonjour. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Psycho 17 pour une vidéo qui va être assez courte, je vous préviens. J'espère concise, et parce qu'il fallait que je fasse cette vidéo un jour ou l'autre. Donc voilà. Oh, c'est dur. Et franchement, je pensais que ça allait être plus simple que ça. Eh ben, j'arrête YouTube. Ben voilà, voilà, c'est... Non, allez, plus sérieusement. Comme vous le savez probablement, comme beaucoup le savent, j'ai pris la décision, il y a maintenant quelques mois, d'arrêter YouTube, plus spécifiquement FIFA ou IEFC, juste après la Toti. Comme vous le savez, la Toti est passée, on avait une dernière mission, c'était, voilà, ferait la Toti pour le compte du petit jeune pour s'amuser. Mais en définitive, dans les grandes lignes, c'est... Je prenais plus de plaisir, et ça se ressentait quand même, mine de rien. J'avais plus forcément envie de continuer, de me forcer à faire semblant de kiffer ou de faire des vidéos sur quelque chose qui au final ne m'apportait plus de joie personnelle, parce qu'il faut pas oublier que ça fait 12 ans quand même qu'on fait des vidéos sur FIFA, donc ça date. J'ai changé aussi en termes de personne dans la vie personnelle. Vous savez que vous m'avez connu, j'étais célibataire endurci et gros geek, je suis en couple avec 2 enfants maintenant, donc du coup les choses changent, la vie change, et fait aussi que j'ai plus autant de temps à consacrer à ma chaîne YouTube que ce qu'il faudrait consacrer à une chaîne YouTube pour pouvoir éventuellement en vivre. Et j'ai envie de me lancer un défi, c'est de créer quelque chose que j'avais toujours eu envie de créer, un rêve que j'ai toujours eu envie d'avoir, qui est en rapport avec ma première formation que j'ai fait dans la vie. Vous savez que je suis à la base gestionnaire du commerce de détail, c'est ma première formation que j'ai fait en Suisse, vendeur en gros, qui peut avoir son magasin, et j'avais envie d'avoir mon magasin, et c'est chose faite en e-commerce. J'ai ouvert mon magasin et donc maintenant je vais m'y donner à 200%. Donc voilà, vous savez que ça fait bizarre, hein, clairement, de vous dire au revoir, parce que la plupart d'entre vous, bien évidemment, vont pas forcément continuer à suivre ce qui va sortir, parce que ce qui va sortir sera en rapport beaucoup, sera que en rapport avec ma nouvelle activité qui est ma boutique. Donc, j'ai sorti officiellement une boutique de cartes Pokémon et de collection TCG. Cette boutique s'appelle PokéQuack, comme vous pouvez le voir ici. Il me suit depuis un petit moment, il y avait des petits indices, voilà, bon, des petits ou gros indices, hein, qui quand même étaient dans le nouveau décor, qui montraient que clairement, voilà, on allait prendre une nouvelle direction. Et donc PokéQuack, c'est mon site internet, c'est ma boutique e-commerce, c'est mon bébé, et c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie maintenant, et je me donne une année pour que ça fonctionne et vivre de ça, et je prends un kiff fou. Alors, du coup, pourquoi, en fait, la chaîne continue et pourquoi je vais être en live sur Twitch aussi? Parce que c'est un peu bizarre, parce que tu fais... En fait, je fais du box break. C'est-à-dire que tu peux autant commander tes boosters et je les envoie chez toi, il n'y a aucun problème. Mais quand je suis en live, eh ben, tu peux commander, je peux les ouvrir pour toi. On peut discuter, faire des échanges, des machins. Et c'est ça aussi, cette proximité-là que j'ai envie de garder. Et donc, du coup, mon Twitch et ma chaîne YouTube vont m'être utiles pour faire la transition et peut-être ramener des gens comme toi, peut-être qui seraient intéressés à savoir, à s'informer sur ce monde de collection de cartes Pokémon. Et me permettre aussi, voilà. C'est une vitrine non négligeable. On a réussi à atteindre 900 000 abonnés. C'est incroyable. Alors, je vous le cache pas que je... Il y aura une déception intense, je pense, toute ma vie de ne pas avoir atteint le million d'abonnés, qui est, voilà, je pense, le Saint Graal pour tout créateur de contenu, surtout quand t'es à 900 000, quoi. Mais bon, en ce moment, on perd des abonnés, ce qui est logique. Je pense que malheureusement, on n'y arrivera pas, mais voilà, on va continuer, parce que ça peut faire une pub. Voilà, si ma vidéo fait 2000 vues sur Pokémon, c'est pas grave. J'ai 2000, éventuellement, clients potentiels. C'est totalement fou pour un nouveau commerce qui se lance d'avoir cette possibilité de pub-là. Et bien évidemment, elle m'appartient, donc je vais l'utiliser pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il y aura maintenant sur ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé de rester? Normalement, chaque semaine, il y aura un best-of de tout ce qu'on a ouvert en live sur ma chaîne pour les clients, les plus beaux hits qu'on aura fait durant la semaine. Il y aura des ouvertures de cartes gradées, il y aura des ouvertures des nouvelles collections, il y aura des vidéos où je vous montre aussi mes collections. Mais voilà, à un rythme de franchement maximum 2 vidéos par semaine. Voilà, je vais pas vous mentir, on va pas pouvoir faire plus, et c'est plus mon activité YouTube. Mon activité, c'est mon magasin. Je vais pas mentir, la décision était facile d'arrêter IFC, parce que quand tu n'aimes plus ce que tu fais, il faut arrêter, déjà, si t'as la possibilité de le faire. Et je pense que pour faire bien une chose, il faut la faire à 100%. Et là, ça faisait une année et demie, 2 ans que je faisais 50-50, tu vois, Pokémon et FIFA. Donc du coup, je décide de prendre 100% sur Pokémon. Voilà, c'est vraiment... Je kiffe ça. Donc pour tous les gens qui diraient, voilà, tu prends un créneau parce que ça marche. Non, sur le compte Psycho qui était mon autre chaîne, on faisait énormément de Pokémon. Ça a toujours été l'univers que je kiffe le plus. Et limite, les jeux que je kiffe le plus. Donc c'est tout naturel d'y retourner. Mais voilà, on sera en stream que sur de la vente et de l'ouverture de booster pour se faire kiffer. Donc en gros, ceux qui veulent rester... Ceux qui veulent pas rester, je vous en voudrais pas, il y a aucun problème. Je vais aussi profiter pour tous vous remercier un par un.
Non, parce que ça prendrait du temps. Mais vraiment, prenez-le sincèrement pour vous qui avez cliqué sur le bouton s'abonner et qui m'avez suivi, que ce soit depuis le tout début, en Suisse, dans ma chambre, avec mon casque micro comme ça, ou que ce soit dernièrement, la nouvelle génération. Merci infiniment de vous être abonné à ma chaîne, vous m'avez donné une force incroyable et j'ai pu vivre des choses exceptionnelles grâce à vous. Je peux pas toutes les reciter parce que j'en ai oublié et du coup ça va m'emmerder quand je vais regarder cette vidéo de me dire putain t'as pas dit ça. Mais voilà, j'ai rencontré des gens fous, j'ai fait des connaissances de dingue. Je veux dire, il y a eu Stéphane qui a fait partie intégrante de ma vie pendant beaucoup de temps. Alors tout le monde me demande comment il va. Voilà, moi je suis retourné vivre avec ma compagne et mes deux enfants. On vit pas dans la même région avec Stéphane, il y a aucun problème. C'est juste que bah, lui il est retourné à Lyon et voilà, il a repris sa vie et moi aussi. Et les choses font que on se parle moins, mais on a toujours autant de plaisir de se donner des nouvelles de temps en temps. J'ai rencontré aussi grâce à YouTube le parrain de mon deuxième fils, par exemple, Razer, qui est quand même le parrain maintenant de mon fils. J'ai rencontré des gens de fous, je vais pas pouvoir tous les citer, mais en tout cas merci à tous, de près ou de loin, que j'ai rencontré, soit vous étiez des footballeurs ou des youtubeurs, etc. Vous m'avez donné de la force, merci infiniment. On va remercier EA aussi, parce que on a beaucoup tapé dessus depuis 2018-2019, mais il faut quand même, sans ce mode de jeu Ultimate Team, j'aurais jamais pu avoir cette carrière. Ils m'ont beaucoup aidé au début de ma carrière, donc il faut quand même savoir les remercier quand il faut les remercier. Je souhaite de tout cœur que vous retrouviez le droit chemin et le chemin du plaisir et du gameplay et du fun et non pas de la compétition. Mais ça, bref, ça me regarde plus. Je vous remercie infiniment. Voilà, tous ceux qui travaillent chez eSport, Abdou à l'heure actuelle qui est, enfin voilà, de toute façon vous vous reconnaissez. Et puis tous les youtubeurs aussi avec qui j'ai pu travailler, etc. C'était vraiment un plaisir et je vous souhaite bon courage pour la suite. Nous en tout cas, voilà, c'est la fin de Psycho 17, même si je vais garder ce pseudo, mais c'est la fin de FIFA. Maintenant, comme ça, quand je vous rencontrerai dans la rue et que vous me direz, ah, je te regardais à l'ancienne, ça me vexera pas parce que j'ai arrêté, donc ça ira. Et puis, si vous voulez donner de la force, c'est simple. Maintenant, c'est PokéQuack, mon nouveau shop. Donc, du coup, dans la description, il y aura mon Instagram du shop. Voilà, vous serez là au tout début. Il n'y a même pas encore de post là à l'heure actuelle où je vous parle. C'est incroyable, tu vois, de recommencer à zéro. Il y a mon magasin, si vous voulez faire une petite commande, n'hésitez pas. C'est avec plaisir, je prépare tout moi-même. C'est moi derrière tout. C'est moi qui fais les commandes et tout, mais c'est trop bien. Je suis trop content. Et j'espère qu'on va vivre de belles aventures là. En gros, le programme, il est simple. Les après-midi, quoi qu'il arrive, normalement, on est sur Twitch pour du live sur la chaîne que vous connaissez, Psycho17, bien évidemment. Et puis, si vous voulez suivre l'aventure, Instagram, etc., les réseaux, vous connaissez. Donc voilà, je vais pas tourner en rond. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je vais pas verser ma larme parce que je l'ai déjà versée il y a quelques jours quand ça allait s'arrêter. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est bon. Mais c'était fou. Putain, 12 ans, quoi. 12 ans et 900 000 abonnés. Ah, le petit 100 000 là qui fait mal, mais... Ah, c'est fou, franchement, et putain, en 2012, on savait même pas qu'on pouvait faire ça comme métier, donc j'ai fait 12 ans de ma vie dédié à ça, j'en suis fier de ce qu'on a réussi à faire, et maintenant, c'est des nouvelles aventures qui s'ouvrent à moi. Je vais essayer de faire des choses, et puis voilà. Tu vois, là dans ma tête, je visualise, je me dis, putain, si ma boutique, elle marche, et que peut-être mes enfants, ils kiffent ce domaine-là, peut-être que, je sais pas, ils auront envie de reprendre le truc, je sais pas, tu sais, j'ai trop... Voilà, j'ai hâte de commencer cette aventure, et ça marche pas, tant pis. Je me donne une année et j'ai un luxe de fou. Je peux m'offrir une année pour tenter mon rêve, un deuxième rêve. C'est dingue quand même, quoi. Donc, merci pour ça. Et écoutez, je vous dis à très vite, que ce soit sur Twitch pour la boutique, sur mon site internet, la prochaine vidéo qui sortira probablement bientôt, avec des ouvertures, des trucs, des machins. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore infiniment. Et c'était de la folie. Vraiment de la folie. Donc, voilà. Gros bisous tout le monde. Et à très vite. Hein ? Allez, ciao les gars. Hey yo Psycho, it's Leroy Fett here. I just want to thank you that you've been playing FIFA with my character over the last few years. I appreciate it a lot. I wish you all the best in the future. I hope you're gonna get what you get and what you deserve. And God bless you, man. Peace.